plus, qui va construire une maison, même si elle aura un toit, mais c'est pas grave. Donc ensuite, au début, on avait fait la grue avec une base rectangulaire, qui, en fait, ce que le problème, c'est que, du coup, le bras de la grue ne pouvait aller qu'à une seule, enfin, qu'à une certaine distance de la base. Et puis, ben, pour construire des murs, c'est pas très pratique. Du coup, on a changé et on a mis des bouts à la place, comme vous pouvez le voir ici. Sauf que malheureusement, à cause de difficultés techniques imprévues, on n'a pas pu finir exactement le code. Donc, ensuite, on avait aussi prévu un deuxième robot, ce que. Vous recommencez, je vais tout reprendre. Descend pas assez bas. Et du coup, faut qu'on l'abaisse suffisamment bas pour qu'il continue le programme. Bon, il répète un peu la même chose. Voilà. Mais voilà. Bon, il y a aussi des petits problèmes de capteur, parce que le capteur, en fait, alterne entre poursuivre la ligne noire et pour. Repérer des couleurs. Sauf que le problème, c'est que ça prend un peu de temps. Et du coup, si, quand il passe sur une marque rouge, bah, il essaie de suivre la ligne noire et qu'après, sur la ligne noire,
les décaler, bah, du coup, ils passent sur les marques sans les remarquer. Donc, cet ensemble de problèmes que nous n'avons pas eu le temps de résoudre, bah, au fond, le robot ne marche pas. Explique un peu les composants du robot. Ah, oui. Qu'on appelle la Daisy Chain. En fait, ça consiste à lier deux unités centrales entre elles, l'une commandant l'autre. Ce qui permet de passer le nombre de moteurs, de senseurs et de mètres de 4 à 8. Sachant qu'on peut lier au moins 4 unités centrales de cette manière. Voilà. Excellent. Bravo. Bravo.